Les semaines d'éducation contre le racisme et toutes les formes de discrimination permettent de mettre en lumière l'ensemble des actions portées par les associations du collectif SECD. Coordonnées par la Ligue de l'enseignement FAL 44, elles ont lieu durant tout le mois de mars et s'articulent notamment autour du 21 mars, journée internationale pour l'élimination des discriminations raciales. Mais alors, quel est le but des SECD ? Trois objectifs principaux sont posés. Le premier, créer du lien entre les associations membres du collectif. Le second, créer une culture commune autour de la thématique. Enfin, mettre en lumière les actions menées à travers des outils de communication, comme l'édition d'un programme d'action ou encore la newsletter mensuelle. Et quel bilan pour l'an passé ? En 2018, c'est plus de 70 associations qui se sont mobilisées. Des associations expertes de certaines thématiques, mais aussi des amicales laïques affiliées à la Ligue de l'enseignement. Elles ont contribué à mettre en place 40 actions durant le mois de mars, allant de l'exposition au ciné-débat. Cette mobilisation a permis de toucher plus de 2200 personnes sur l'ensemble du département. Retrouvez-nous en mars pour célébrer cette 10e année de mobilisation commune.